C'est l'épisode numéro 60 et on a enregistré 4 intros d'épisode aujourd'hui. Avant, on était full motivé pour se changer de chandail pour faire à croire qu'on captait pas tout ça en même temps. Ouais, là. On s'en calisse. Mais une chose qu'on se calisse pas, c'est notre invité Richardson Zephyr de l'épisode 60. Fait que merci de nous écouter. Et oubliez pas, le 17 mai, on fait le gala du Gang Show live sur YouTube pour tout le monde à 9h30, comme toutes nos captations. Il nous reste la merch, il nous reste le meilleur réalisateur en ville. Merci, je suis content d'être là. Bon épisode. Donc, s'il vous plaît, faites un maximum de bruit pour notre deuxième juge invité, Richardson Zephyr! Yeah! Ah, Rich, je suis content que tu sois là. Pour de vrai, Rich, ça fait longtemps qu'on se connaît, puis t'es l'une des meilleures personnes de tout le showbiz québécois. Ah, ben merci. Pour de vrai, c'est quelque chose que je pense. Fait que j'ai hâte de voir comment tu vas réussir à être méchant avec les humoristes. Il faut être méchant? Il faut... Ben, il faut être... Il faut être taquin. Il faut être taquin. Ouais. Taquin. Mais on va voir si il faut être méchant. Mettons, pour être gentil, t'as-tu des conseils à leur donner? Pour être gentil, des conseils? Ben oui, j'ai toujours des conseils. J'adore donner des conseils. Mettons là, t'en as-tu un pour les 6 prochains? Ah, pour les 6 prochains, avant, ouais. C'est sûr, j'aime donner des conseils après avoir vu, comme j'aime être approprié, précis. Mais sinon, avant, je pense que le plus important, c'est d'avoir du plaisir. Le plaisir, c'est contagieux. Puis ça, c'est quelque chose qu'on dit tout le temps, là, ayez du plaisir, mais on oublie de le faire, on carpe podium. Mais donc, c'est simple, il faut vraiment s'amuser. Les notes, on laisse tomber. Les pratiques, tout ça, c'est avant. Mais je parle amener des notes sur scène, tout ça. La première à monter sur scène! Bien sûr. On accueille, s'il vous plaît, un tonnerre d'applaudissements. Elle brise la glace de la deuxième partie. Mélissa Cadieu! Ah, tant pis pour les prochains. Non, mais on se plaint, hein? Mais imaginez être né comme dans une famille où on est obligé de faire jouer juste des chansons de Noël au party de Noël. Non, mais c'est ça. Ça a pas l'air le fun, hein? Non, mais on dirait que vous n'avez pas l'image. Non, imaginez! Dans cette étable que Jésus est charmant, qui est... Puis là, il y aura l'autre. Que d'attrait à la fois, tous les palais des rois n'ont rien de comparable. Puis là, tu auras les jeunes. You, petit papa Noël, quand tu descendras du ciel. Là, t'aurais les matantes. Trois anges sont venus ce soir. Hey, as-tu fait une pareille à soir, Jean-Guy? Hein? Là, vers minuit, il serait comme... Ça, c'est le limbo. Ça, c'est... Minuit chrétien, et l'heure sonne une âme. Jusqu'à nous. Pour effacer. Il y a aussi... Celle-là, c'est pour les adeptes de TikTok. Sur la route. Rapapam, rapapam. Le tambour. Rapapam, papapam. Rapapam, pam. Il s'en va, il s'en va. J'ai l'air mollo comme ça, mais sérieux, quand je veux vraiment, comme on m'écoute, quand je parle, quand je veux, c'est vrai. C'est juste je le dis parce que elle a l'air de rien, mais c'est quelque chose qu'on dit vraiment souvent quand on veut me décrire. J'ai décidé que je le prenais comme un compliment maintenant. Aussi, je ne suis pas vraiment le genre de fille qui dit « Tiens-toi bien, New York, j'arrive. » Non, c'est ça. Je trouve pas... C'est aussi un message. Je trouve pas qu'on
on devrait pas dire ça. Je pense pas qu'on est assez extraordinaire. Je suis bipolaire, moi, monsieur. Mélissa Cadieux! C'est pas fini. Mélissa, t'as-tu dit TikTok à place de TikTok? TikTok? C'est TikTok. C'est pas TikTok? J'ai aimé ça, puis pas aimé ça. C'est comme confus dans ma tête. J'ai l'impression que le début, c'était comme une pub de la fureur de Noël. Okay. Mais j'ai pas trop compris pourquoi que je regardais ça. OK. Puis le rire d'Anthony me gossait, parce que je sais pas s'il riait de plaisir ou de sarcasme. Moi, j'avais du fun, là. T'es déjà venu au gang, je sais que tu sais écrire, je sais que t'es drôle, fait que je sais que tout ça était conscient de ta part, fait que j'avais du fun en crise de te voir jouer avec ton casting au bout, mais c'est pas tout le monde qui a les clés, là. Mais vous aviez le goût de... Ah, c'était pas... De le réessayer juste pour être sûr qu'il marchait encore. Ouais, c'est ça la raison. C'est vraiment ça la raison. C'est correct. Ça manquait de tightness, mettons, dans le tout, mais merci pour ce moment-là. Ah, oh, j'ai... C'est ça, parce que c'était pas désagréable, c'est juste j'ai pas trop compris. J'avais du fun, mais je savais pas pourquoi. C'est pour ça que j'ai gagné. Mais moi, je pense que je me souviens de t'avoir déjà vu il y a quand même plusieurs années. Je pense années. Que ce que j'ai vu de Back in the Days à aujourd'hui, j'ai vu que t'as de l'énergie puis que t'es willing. Non, mais t'es willing puis tu y vas à 100% puis c'est ça qu'il faut. Toutefois, c'est comme t'as un style un peu plus absurde, t'as des prémices, mais t'as pas de punch. Fait que c'est juste ça. C'est méchant, Rich. Ça, c'est juste fucking ça. Méchant. C'est ça se dit pas. Pas méchant, c'est la vérité, c'est en toute amitié. Trouver des punch. Faire la... Ouais, c'est ça, t'as les prémices. Tu comprends, je veux dire? T'as la prémisse. C'est pète puis répète son ventre en bateau. Ouais. Fait qu'hier, je suis allé au dépend. Tu sais, tout de suite à un autre sujet. Il manque juste la chute, comme aiment dire les Français. Je pense que le gros problème du numéro, c'est que t'avais tout inversé. Juste les jokes d'après, les phrases. Plus que des jokes, mais les phrases à la fin, si t'avais commencé avec ça, on dit souvent de moi que t'as l'air le fun, mais je me rappelle plus exactement la phrase, là, mais si t'avais commencé avec ça, puis qu'on t'as pas l'air justement énergique puis fofolle, puis qu'après ça, tu fais les tunes, tout le monde embarque, puis tout le monde comprend le niveau. Là, c'était juste weird pour du monde qui ont pas les clés. Je pense que c'est ça qui s'est passé. Fait que d'avoir inversé, ça aurait... je sais pas si ça aurait tout changé, mais... tu vois, moi, je pense encore le contraire. Là, t'as commencé avec un liner, il manque le punch. Après ça, on aurait embarqué dans tout. Là. Il manque un ou deux liners au début, puis on embarque. On aura les clés. Les clés. Man, vous avez parlé plus de clés qu'à Fort Boyard, les gars. De vos conseils. Mais il n'y a pas vraiment de conseils à donner à ce numéro-là en termes de t'es venu. Ben non, mais tu le. Voyons. C'est bon. T'es venu t'amuser. Oui. Tu m'as amusé. Je sais pas si t'as amusé tout le monde, mais j'ai eu du fun. Moi, j'ai eu du fun. Tout le monde a eu du fun. Voilà. Mélissa Cadieux, tout le monde. Mélissa Cadieux. OK. Les prochains, c'est un duo qui veulent qu'on appelle la Belle et la Bœuf. On les applaudit. Salut public, ça va bien? Yes, hey, je vous sens un peu amorphe. Fait qu'on va faire un exercice. Je vais faire 1, 2, 3, puis à 3, on crie tout le nom de notre texte, OK? Êtes-vous prêts? 1, 2, 3! Qui a dit avoir revenir, là? Qui a dit ça? Non, mais c'est la... excusez, j'ai oublié quelque chose. Ce sera pas long, là, c'est... On est 14! Gabriel Barrette des Tites B! Je suis vraiment pas Gab, puis encore moins des Tites B, là. Non, non, je sais, t'es la moins pire des deux du flop, là, les Germaines. Presque pas insultant. Mais c'est vraiment pas pour ça qu'on est là ce soir. Là. Comme la dernière fois que je suis venue avec Miley, justement, je me suis fait dire que mon duo servait à rien. C'est vrai, puis à défaut de servir à rien, on va faire plaisir aux juges! Rich, on savait pas que t'allais être là, mais moi, ton coloc m'a tatoué deux fois. Fait que pour te faire plaisir, je vais pas dire au monde où c'est que t'habites. OK? Cool. Sinon, tu sais, commence, là. Fais plaisir aux cheveux, là, Anthony. Fais-y plaisir, là. Je lis des livres, mais c'est pas, je suis pas sûr qu'une fille qui parle de lecture plus que 30 secondes,
tu vas peut-être venir. Non, 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 pas de même, pas de même. Check, 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 check. Mommy Brown avec Charles, OK? Parce qu'on sait que Charles aime... Magie, Charles. Magie, Charles. Magie, Charles. OK. Fait que là, on a un nouveau paquet de cartes. OK, ça va très bien à date, là. À date, tout est contrôlé. Ça sera pas long. OK, 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 je l'ai. Je l'ai, OK. OK, Rosemary, c'est-tu elle ta carte? J'ai pas pigé de carte. C'est pas grave, ça. C'est pas grave, ça. C'est-tu elle ta carte? Je viens de te dire que j'ai pas pigé de carte. C'est pas grave, ça. C'est-tu elle ta carte? Ma carte d'assurance maladie. C'est sa carte! Yes! Yes! C'est pas ta carte, ça? Ben, pourquoi tu dis ça? Ça dit que t'es majeur. Mais la vraie question, pourquoi on fait un duo, là? Ben, c'est parce qu'on s'est dit que lui était pas bon, moi j'étais moyenne, fait qu'ensemble on devait être excellent. Asti. Pourquoi je le fais avec toi? Je le savais que j'aurais dû demander à Loïc Dubois. Oh! Le gars qui croise des filles comme si c'était des Sims, c'est-à-dire avec beaucoup trop de confiance, puis on comprend rien. Exactement. Pour ça, C'est vrai qu'on comprend rien! la belle et la bœuf. On voulait vraiment un nom de marde, puis ça, c'est réussi, par exemple. Ouais, mais là, leur panneau je trouve que le restaurant est moins pire que vous autres, puis c'est pas une bonne nouvelle. Oui, oui, leurs panneaux publicitaires sont plus punchés que vous. Là. Oh! Ça fait mal, ça. J'ai une question. Yes. Pourquoi? Ben, on allait y venir, là. Non, mais moi, j'ai quand même aimé ça, puis j'ai peut-être des contacts pour vous. Tu sais, je connais le coach d'impôt du cégep du Vieux. Tu sais, il y a moyen de faire une coupe de game puis animer cégep en spectacle. Ouais, c'était notre punch-out, ça. Le cégep c'était ça, le punch-out? Ouais. Fait qu'on c'était voulu, en tout cas. On se parle après. Non. Vous avez l'air terrifiés, les gars. Ben, je sais pas quoi penser. On a vu un gun tantôt, là. Ouais, puis je pense que j'ai eu plus peur, là. Oui. Rosemary, comment disais ça? T'es venue avec ton autre duo. C'était quoi déjà le nom? C'était... Non, je le répéterai pas. En tout cas. Les Germaines, épisode 23. OK. Mais si t'es dans deux duos différents pis que les deux fois ça marche pas, c'est peut-être toi le problème, là, je dis ça de même. Elle a changé de partenaire! Ah. Moi, je l'ai déjà eu. La joke de la carte était bonne, en tout cas. Oui. La joke de la carte était bonne. Ouais. Après ça, si je veux comme être master sérieux, plate, constructif... Peut-être dans le duo de personnages, toi, le tien, il était peut-être, il s'en foutait un peu veg. Je suis pas sûr que c'est ton clown. Définitivement pas. Ouais, je manque ça. De voix aussi, donc c'est super. Ah, OK. Ah, c'est vrai? Je suis malade que le dog. Ah. Mais moi, je pense que l'énergie, peut-être, ça, je suis sûr que ce serait ton clown. En fait, c'est la raison d'être du numéro constructif, à la base qui était pas clair. Il y en avait pas, ça se voulait être un hommage au gong show après... Ah, mais, man, si c'est ça, c'est un hommage, j'ai pas hâte d'avoir mon gala hommage, là. J'ai prévu, là. Mais c'est ça, c'était beaucoup d'inside pour du gang show qu'il fallait connaître tout le gang. C'est pas grave, mais je pense vos que... Vos millions contre... de spectateurs devraient nos millions, comprendre. Nos millions! Je pense qu'il a joué contre vous aussi, Cédric, qui a fait un roast solide sur Charles et moi. Fait que là, après ça, des jokes sur moi, sur le fait que je viens vite. C'était... Un tour de magie. Un tour de magie, ça a joué contre vous, malheureusement. Mais... Ou peut-être ces jokes-là ont été écrits trop vite, mais... 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 mais Mathieu, sans joke, pour une fois, quand t'es rentré sur la scène, puis t'as fait la joke de avoir venu, tout ça, j'étais comme, man, ton clown de toi en stand-up, quand ça se précise, il commence d'avoir... En fond, t'es... Ben, j'essaie des affaires. Ouais, mais ça te fait bien le personnage de loser, c'est ça que je veux dire. Ben là, tu m'aimes-tu mieux énergétique comme un golden ou loser sur le bord de me tuer? Mais pour moi, t'es un golden à trois pattes, là. Genre, t'es... flamboyant, mais ça marchera pas loin, là. Genre, t'es... C'est le plus beau compliment qu'on m'a dit. Mais pour de vrai,
je pense que c'est ta place sur scène, vraiment. Puis je veux te revoir faire du stand-up plus souvent. Je te trouve très drôle. Rosemary, on va se revoir. Je suis si méchant que ça. Oui, OK. Non, mais par contre, quand je t'avais vu avec ton autre duo, t'as un talent sur scène aussi. Là, je pense que c'était pas la place pour. C'était pas le duo pour te mettre en valeur et tout ça. Mais je t'avais vu la dernière fois, puis t'es très drôle, puis je te taquine parce que c'est ça ma job. Là. On taquine ceux qu'on aime. Oui. Les prochains, c'est. Mais merci d'être venu. Bravo. Belle job. C'est un bel job. Bravo. Et on accueille John Vaillancourt! John Vaillancourt! Je vais appeler son nom dans 4 secondes. 3, 2, 1. John Vaillancourt! Mon amour est petite. Il y a des manèges qu'elle pourra jamais faire. Quand on sort quelque part, personne veut la servir au bar. Pour elle, pas d'alcool, juste des Shirley Temple. Même si elle a plus de 30 ans, elle s'habille chez Souris Mini. Un char, elle a besoin d'un siège d'appoint. Amour est petite. C'est ma petite à moi. Elle dort dans un Lee Prince. C'est un peu plus petit qu'un Lee Queen. Mon amour est Robert. Grâce à mon amour est en santé. Si elle vient chez toi, cache la crème glacée. Quand elle était pas enceinte, on la félicitait pour sa grossesse. Maintenant qu'elle est enceinte, personne lui laisse sa place dans l'autobus. Et quand elle entre au supermarché, les kiosques de dégustation se mettent à trembler. Je calcule son âge en bourrelet. C'est une petite mouille. C'est petite comme ça, moi. Elle a un menton pour chaque jour de la semaine. Mon amour est myope. Laisse-la pas conduire. Maudit cave. Je me sers de ses verres. Pour allumer des feux, pas besoin de la mer, car je nage dans ses yeux. And standing on your mama's porch, you told me that you wait forever. And when you held my hand, I knew that it was now or never. Mon amour est une petite grosse lunette. C'est ma petite grosse lunette à moi. Mon amour a été défiguré dans un accident. Bon. Mais comme vraiment super cool. La tournée était supposée durer 3 minutes. 4. Là, tout 3, le monde ensemble. 2, oh, Anthony, 1. Il vient vite, Richard. Il est gros. Oui. Man. John Vaillancourt. John. Belle job. Je trouve ça le fun. T'arrives tout le temps avec des propositions différentes. Puis là, on aurait merci. Dit Vincent Vallière qui aurait mal viré, qui trippait pour sa pilosité du Doc Mayou, là. Je m'en allais dire Daniel Bélanger joué par Zach Galifianakis, là. Mix des merci, deux. Ouais, merci. Mais merci. Bravo. Merci. Vraiment, comme Charles dit, 3 propositions en 3 fois complètement différentes. C'est le fun que tu utilises cette plateforme-là pour venir te payer des trips. Puis... Mais j'ai raté. Malheureusement, je pense que le setup n'était pas parfait pour de micro. Il aurait fallu peut-être une guitare branchée qui se branche parce que j'ai manqué plusieurs mots. Mais
C'était le fun. Plusieurs mots de la guitare? De ta voix. Ah. Non, quand tu chantais, on était loin du micro. Ah, OK, alors. Désolé. C'est ça, en fait, c'est un micro... Normalement, c'est un micro Atlas. C'est ça. Un pli Atlas. Et un... En tout cas, c'est bon. Oui. Mais t'es drôle. T'es le fun, tu joues bien. Tes briseurs de rythme sont toujours tight à chaque fois que t'es venu. T'as vraiment un bon jeu comique. Bravo, John. T'es bon. J'aime ce que tu fais. Je veux te voir plus souvent. C'est fini? Non, les autres. Merci, Anthony. Mes commentaires à moi. Moi, tu là, vois, je vais dans le même sens qu'Anthony. C'est ça. En ce moment, t'as un micro avec une. Un pied micro avec une base Atlas. T'aurais voulu un micro avec un bras, les micros amovibles. C'est pas mais il y en a jamais. Ouais, Atlas, c'est vraiment le micro avec la base. J'étais sûr que c'était l'inverse. Exact. Et puis, moi, j'ai le même commentaire qu'Anthony. Puis. Partout, même tu vois, dans des grosses salles, il n'y a pas tout le temps les mics. Fait que moi, d'habitude, j'aurais aussi je fais même pas de micro pour ma guitare. Comme, vu que c'est des petites salles comme ça, je joue plus fort. Ah, tu chantes, fais pas des grandes salles? Ah, tabarnak, oui. Ben, peu importe. On s'éloigne mais de... Mais pas avec ma guitare, avec ma graine. On s'éloigne de... Ce que je voulais te dire, moi, c'est colle ta gueule sur le micro. Dans le fond, tout le temps, peu importe. Il y a quelque chose qui bloque. Non, mais. Je te fie, je te comprends. Moi, c'est rien qu'un commentaire parce que c'était nice, puis on aurait voulu empoigner plus. Je pense que tu aurais eu le double de rire encore. Ouais. La gueule collée sur le mic. Il y en a déjà comme beaucoup, là. Exact. Fait que, imagine. Excès de. Imagine. Mais sinon, nickel chrome pour le reste. Merci. J'ai l'impression que t'es le genre de gars qui a appris à jouer au Wonderwall pour Frenchie, puis ça n'a pas marché. Ah, oh, j'étais sûr que c'était drôle, Oasis, ça! Oasis, man, c'est une telle référence de 93. Ouais, là, je deviens référence. Hein. Ben, c'est pour ça que les affaires en 93, le Canadien a gagné la coupe. Ouais, Lollapalooza, peut-être. Moi, je suis venu au monde, vite. T'es né en 93? T'étais tout petit. Je suis 93. Ouch! Ouais. Je suis venu au monde, ouais. 93. C'est là, je suis venu. On a-tu d'autres choses à jaser? Ah, ben, peut-être. Ah, mais là, ça fait trois fois. Ça fait-tu trois fois que tu réussis le gang show? Non, c'est juste deux fois. Ha, ha. Mais j'espère que tu vas revenir parce que t'es vraiment le fun. Puis faut que tu joues plus. Faut que. Ouais, vraiment. D'accord. Vraiment. Je sais que c'est pas toi qui décides ça, là, mais on va s'arranger pour que les bookers t'orbookent plus. Là, il faut. Mélissa! Merci. Mais il n'y a pas juste Mélissa qui book dans la vie. Bravo, John! John Bellancourt! Et on continue ça avec Alvaro Salvagno. Alvaro Salvagno! Je pense. Salut le bordel, ça va bien? Oui! Hey, je veux pas me vanter là, mais ma carrière en humour commence vraiment à pick-up. L'autre jour, j'ai fait un show à L.A. V.A.L. À Laval. C'est fou, ils parlent pas anglais là-bas. Ni français. Je sais jamais de quoi qu'ils parlent, en fait. Ça, c'est fou. Je sais pas, j'ai eu une grosse semaine la semaine passée, j'ai eu ma citoyenneté canadienne, finalement. Oh yeah! Ouais. J'ai finalement le droit d'utiliser les cahiers Canada, c'est vraiment nice. Puis maintenant, j'ai la double citoyenneté, tu sais. Fait que je suis canadien et mexicain. C'est vraiment cool. Ben, je suis pas vraiment mexicain, il y a des gens qui m'appellent le mexicain. Ben, pas des gens, là, des racistes. Pas des racistes, là, des gens de Laval. Es-tu de Laval, toi? Qu'est-ce qui se passe? Je peux-tu vous partager un truc personnel, par contre? Aujourd'hui, là, ça fait 250 jours que je suis sobre. Hein? C'est vraiment cool. En anglais, on appelle ça « sex and love addiction ». En français, je pense que ça s'appelle « ce gars-là a pas baisé depuis 250 jours ». Ouais. C'est vrai pour tous les humoristes que vous avez vus ce soir aussi. Et pour ce gars-là ici, je pense. Ouais. Oh non, toi, tu fourres beaucoup. Lui, non, mais moi, là, ben, je fourre. Regarde pas. Non, mais c'est fou, man, avec mon addiction, là, j'ai tellement d'été à Montréal, je pointe Wi-Fi partout. Ouais. C'est vraiment nice. Ouais. Puis, tu sais, j'essaie de travailler sur moi. Fait qu'est-ce qu'on fait quand on essaie de travailler sur soi? On va sur YouTube. Right? Fait que là, je suis tombé sur une vidéo sur YouTube qui s'appelait « L'histoire complète de l'humanité », entre parenthèses, en entier. Ça durait une heure. Je pense qu'ils ont coupé les coins ronds, tu sais.
Puis tu sais, quand t'es sur YouTube, là, tu tombes tout le temps sur des affaires de gaming. Ouais. Je suis tombé sur top 10 sur Super Mario. Je les connaissais pas mal toutes, sauf le numéro 1. Le numéro 1, c'était Super Mario est pas italien. Est-ce que vous saviez ça? Ouais, Super Mario n'est pas italien. Ils ont dit, si Super Mario était italien, il nous l'aurait dit. Parce que c'est ça que les Italiens font. Ils disent qu'ils sont italiens. Yeah. Alvaro Salvagno! T'es-tu italien? Hein? T'es-tu italien? Non. OK. Mais j'ai un sens de l'humour. Je sais pas comment gager mon... En tout cas. je sais pas quoi en penser. Ça fait combien de temps que tu fais ça? 5 mois. 5 mois, OK. Parce que ça paraissait que t'étais nerveux. Tu t'as dit que tu bevais pas, puis t'as bu comme 2 gorgées d'eau en dedans de 2 minutes. Ah, parce que j'ai la COVID. j'ai vraiment ri fort au gag de Wi-Fi partout. C'est un très bon gag, mais t'as tellement ouvert de prémices de parler que t'as arrêté de boire. Après ça, le vidéo qui a une heure explique tout. Après ça, t'es arrivé dans le top 10 des affaires que... T'sais, comme t'as ouvert plein de prémices sans toutes les closer. J'ai jamais dit que je buvais pas. Je sais pas où est-ce que t'as entendu ça. Au début, t'as ouvert en disant j'ai arrêté de boire. Sobre. Oh, sobre. Puis après, c'est sex addiction. Ah, OK, sobre. Ouais, c'est ça. J'ai fait une prémisse, après ça, je l'ai détournée. C'était comme un genre de rieur aveugle, mais qui nous a perdus. Hein. Oui, c'est ça. Okay. Mais est-ce que tu joues-tu plus en français ou en anglais? En anglais. En anglais. Ça apparaît dans le delivery. Je vois plus un delivery anglo. Je connais pas toute la scène anglo, mais je vois un delivery plus lent, plus laid-back. D'insulter le public aussi, c'est con, mais je pense en français, ça passe un peu moins. Ça pas mis le public à dos. Mais c'était comme une drôle de vibe. Je pense qu'il est correct. Je pense pas que tu as détruit la confiance de personne. Okay. Mais je chantais... c'est ça, il manquait peut-être un petit pep de plus. C'est correct d'être... on n'est pas obligé d'être énergique pour gagner le public, mais il faut une drive de plus dans ton jeu, même si tu joues plus lentement. Je pense que tu gagneras en efficacité parce que tu sais écrire des gags. Justement, le gag de Wi-Fi est solide, mais ça manquait de rythme. J'aborde exactement dans ton sens, Anthony, puis j'allais utiliser le mot rythme. Puis les trucs concrets, peut-être je pourrais te donner la question que tu as posée au public. Je pense que tu n'as pas encore assez d'aisance pour poser une question. Ça a ralenti le truc. Okay. Surtout vu que tu ne l'as pas dit avec beaucoup d'assurance. Comme, hey, je vais vous poser une question. Il y a 2 personnes qui ont répondu, fait que ça ne t'a pas donné assez de charbon pour continuer. Puis le verre d'eau aussi. Charbon dans la cheminée pour attaquer plus. Puis le verre d'eau, moi, je sauterais le verre d'eau. Tu peux pas avoir de verre. Ouais, c'est juste malade, il l'a dit. Ouais, mais même à ça, parce qu'à chaque fois, ça coupait ton rythme. J'ai fait ce que j'ai pu. OK. Ben non, mais je te le dis. C'est pas un reproche. C'est un conseil que je veux que tu amènes avec toi pour... Ça va te donner des dixièmes de seconde de plus, donc améliorer ton rythme. OK, fait que prochaine fois, tombe pas malade, c'est ça le... pas de verre d'eau. Okay. Pas de verre d'eau sur scène. Okay, cool. Je veux dire, j'ai joué malade souvent. Ouais, okay. Mais la COVID, bois du jus de canneberge, puis c'est comme ça. Mais. Curcuma. Tu viens-tu vraiment d'avoir ta citoyenneté pour vrai? Non, ça fait genre 1 an là, que je l'ai. OK. Ouais. Parce que sinon, t'as le casting parfait pour jouer Chandler dans Friends version mexicaine. Mais tu vois, maintenant, c'est ça, comme Charles disait, t'as ouvert énormément de prémices, t'as tiré un peu partout. Ça, j'aurais voulu un... C'est des 3 minutes, mais ça aurait pu être un 3 minutes sur ta citoyenneté, puis je n'ai pas vu beaucoup de numéros sur ça, puis c'est quelque chose d'assez intense qui pourrait être vraiment intéressant à pousser plus loin de... C'est ça. Ouais, en anglais, on fait plus des... Ben, moi, en tout cas, je fais plus des one-liners, fait que j'ai essayé de le mettre tout ensemble, mais je comprends, j'ai vu ici que vous faites vraiment comme des numéros de 3 minutes. Ben, du one-liner, ça se peut, mais... Là, c'est que tu ouvrais la prémisse. Tu peux closer un one-liner, puis je suis passé de sujet. Puis il y a des Frankie, des JC Surette le font super bien. Mais tu ouvrais la prémisse comme... Quelqu'un qui échappait un verre. Bon, moi, je pense que le même number, une petite affaire, plus de rythme, là, ça gagne. Tout le monde, on se poussait dessus, là, parce que cool. Ça se passait sur... Mais t'as un talent, puis on le dit pas. Fait qu'on passe au prochain. Yes! Ouais, merci. Alvaro Salvagno! Bon, il y a plein de monde qui sont venus le voir dans la salle. On l'accueille. Mathieu Choinière est mort! Ah,
Hey, merci d'être là pour mon spectacle, c'est fin. Ben, je vais me présenter, moi c'est Mathieu, j'ai 27 ans. Il y a mes amis qui sont là. Merci. C'est ma deuxième fois sur scène en humour, puis c'est ma première fois au Gang Show, au bordel. Je voulais savoir, s'il y en a dans la salle que c'est la première fois aussi? C'est là. Cool, on est beaucoup, c'est cool, on va pouvoir vivre ça ensemble. Les autres qui n'ont pas applaudi, c'est le fun. Vous êtes des gens qui ont de l'expérience. On m'a toujours dit que c'était mieux de faire mes premières fois avec des gens qui avaient de l'expérience. Mais en même temps, je sais comment ça va se passer si je me fie à mes autres premières fois. Je vais être extrêmement moyen. Vous allez me dire que c'était bon, vous allez rire, mais demain... Quand vous allez en parler avec votre meilleur ami, vous allez dire « Oh là là! » Ça paraissait que c'était une de ses premières fois. Il n'y avait aucun rythme. J'ai fait à semblant tout le long, puis je plains vraiment la prochaine personne qui va le voir performer. Là. Je vais le ghoster. Sinon, je sais ce que vous avez dit quand je suis arrivé sur scène. Qui risque ce gars-là? Il a l'air de bien aller. Là, je vais vous répondre exactement la même chose que ma mère m'a dit quand je lui ai dit que je voulais faire du théâtre dans la vie. Non. Ça va pas, mais inquiétez-vous pas, je vois une psychologue pour ça, puis elle m'a donné un truc, je vais vous le donner, ce truc-là, gratuitement, vous n'aurez pas besoin d'aller voir ma psy. Mais, dans le fond, elle m'a dit, Mathieu, tu devrais essayer des nouvelles affaires. C'est un peu pour ça que je suis ici ce soir. Moi, j'ai un problème avec ça, essayer des nouvelles affaires, parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai jamais faites, que je sais que j'aimerais pas ça. Je vais vous en nommer quelques exemples. Des trucs que j'ai jamais fait, là. J'ai travaillé de nuit chez McDo. Adopter un serpent, ça va, le monde. Sinon, une autre affaire que j'ai jamais faite, que je sais que j'aime, être la femme d'un viking. Quoique, j'aillerais pas ça faire des grands tours de Dracar. Me faire prendre en cuillère par ce grand seigneur de guerre. Ah, une autre affaire aussi que je n'ai pas besoin d'essayer. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui sont amateurs de slackline? Oui. Oh là là. Non, mais c'est correct, il est tout seul. Les autres sont pas là, ils ont compris. Ils sont pas ici. Ils sont occupés à se trouver une nouvelle passion. Non, c'est pas vrai. Ils sont occupés en ce moment à trouver deux arbres pas trop loin, mais pas trop proches pour accrocher leur grand crisse d'élastique. Hey, non, mais pour vrai, j'ai haï ces gens-là. Moi, je sais pas, vous avez vu ma couleur de peau, je suis super blême. Ouais, bon. Non, mais ces gens-là, moi, j'ai haï tes amis. Dans le fond, c'est juste parce que je brûle très rapidement au soleil, là, genre record du monde vite au soleil. Là. Puis je sais pas à quoi ils servent, ces gens-là, mis à part voler les meilleurs spots d'ombre dans un parc. Puis j'ai une autre question aussi pour les gens qui font de la slackline. À quoi ça va te servir dans la vie de tous les jours, esti, là? Mis à part être capable de laver tes pieds debout dans la douche, esti. C'est réussi! Bel job! Ouais, moi, je te connaissais pas du tout, puis je dois avouer que tes premières 30 secondes, j'étais dans l'une. Immédiatement tombé dans l'une, pas intéressant. Vraiment, tu marchais sur une ligne, je suis mort de te slacker, mais par la suite, quand t'es arrivé avec les trucs que j'aime pas, que je ferais jamais, tu sais, j'y croyais pas, mais Chris, c'était tout drôle, puis ça a été un crescendo en montant, donc bravo. Merci, c'est fin. Moi, je suis honnête. Je comprends ce que vous dites. Il y a tellement eu d'humoristes qui ont fait des comparaisons sur la première fois que je monte sur scène, la première fois que je fais l'amour. Fait que tu sais, t'as perdu des points, mais les rires de tes amis t'ont sauvé. Merci. Ça, c'était la joke que j'avais préparée. Tu sais, j'étais déjà prête à te planter en malade, mais finalement, tu sais, tu t'es... Puis, faut que je dise quelque chose. Dans le chat, il y a du monde qui ont dit... Il y a Matt X qui dit « T'as l'air de Ned Flanders », puis j'étais totalement d'accord. Fallait que je le dise. Ouais. Mais pour une deuxième fois sur scène, vraiment, bravo, t'es super sympathique, t'es un chariste. T'es arrivé à puncher de manière... Tu sais, comme au début, tu disais... comme ma mère disait quand que je voulais m'inscrire au théâtre. Non. Tu es juste arrivé avec un petit punch court de même. C'était un bon punch, c'était parfait. Tu t'es un bon puncher. Pour un gars qui a deux shows dans le corps, t'es très bon. Merci. Vraiment, super belle aisance sur scène. C'est fou qu'avec deux shows, t'as pas été déconcentré par le gars qui t'a parlé. C'est ce trou de cul, va donc chier, Colis. Rien, Colis, c'est si. Un petit peu, là. Mais c'est sûr, vous faites de la slackline, il n'y a aucun respect pour personne, ce style-là. Tabarnak.
J'ai haï ces gens-là. Oui, tu fais bien ici. Tabarnak. Mais t'as répondu, puis ça t'a pas déconcentré, fait que bravo, des fois, ça prend plus de temps habituellement gagner cette confiance-là. T'étais prêt, tu savais ce que tu venais faire, puis j'écoutais, puis pour vrai, les rires venaient pas juste de tes amis, t'avais des rires. Ils riaient pour vrai, au début, il y avait du fun, le calice. Non, mais ça, bravo, vraiment. Belle première fois, belle deuxième. Et ce ne sera pas la dernière. Ouais, puis on peut même ajouter la joke de laver les pieds dans la douche. Ouais. Je dirais comme Yvon Ponton, étoile performance. Merci, Rich. Mathieu Choignard est mort! Bon. Il ne reste qu'un seul invité, il me reste de l'énergie, le bordel! Plus fort que ça, Calis. Bon, on accueille Lance Banger! Bonsoir. Je me présente, Lance Banger. Ancien acteur porno, maintenant producteur chez Lance Banger Productions. Je suis venu il y a une couple de mois vous dire la porno au Québec, c'était fini. Il y en a une couple qui ont pris ça pour un open casting. Je reçois des vidéos, des photos. Mesdames, continuez. Les gars, faut qu'on se parle. Moi, j'ai une éthique. Si personne veut coucher avec toi dans la vraie vie, ça changera pas quand les Kodak vont rouler. Ça pour dire, Anthony, arrête de m'envoyer des crises de photos de toi en chest. Même les Patreons voulaient pas voir ça. J'ai reçu bien des messages, dont un d'une madame fâchée qui me disait « T'en fais pas assez pour les femmes. » Christy, les madames, ça a toujours peur de vieillir. Nomme-moi une autre industrie que les madames peuvent se dire adolescentes jusqu'à mi-trentaine. Puis elle me disait « Tenez-vous bien, là, ce que je dois faire, c'est de la porn éthique. » Ça, là, il faudrait que je prête attention à la diversité de corps puis respecter les limites des acteurs et des actrices. Hey, on peut-tu s'entendre qu'un poil sur une femme, c'est laite? Moi, ce que je veux voir en 4K, là, c'est des marques de rasoir puis des boutons de poils incarnés. Pour elle, là, faudrait tout dire aux actrices. Mais madame, t'es payée pour être filmée. Après le troisième doigt, tu le sais que ça s'enligne pour du fisting. Ça aurait servi à quoi je te le dise deux jours d'avance? Puis je vais te le dire aussi, si je te le dis dans la prochaine scène que tu vas te faire un peu choquer, ça marchera pas, la peur dans ton œil, elle sera pas réelle. T'as beau être bonne actrice, t'es pas à petite de fugueuse, là. T'sais, ça dit que ça a besoin d'un œil féminin pour faire du bon stock, mais on regarde ce que ça donne sur OnlyFans. Appelez-moi vieux jeu, mais chier des gummy bears, c'est pas de l'art. Moi, j'ai fait une vidéo, là. Trois gars avec des trucs de loco-locas qui dominent une anglaise. Ça, c'est une mise en scène de l'insoumission d'un peuple. Ça, c'est puissant. Moi, ça m'a fait penser, faut que je m'adresse au public québécois, c'est vous mon public, t'sais. Vous voulez voir des histoires que vous connaissez, vous reconnaissez, c'est le fun. Puis j'ai essayé de surfer sur la trend des belles-mères, mais ma version BDSM d'horreur a pas marché. Tabarnak! Hey, avant qu'on commence, peux-tu plugger un petit quelque chose? Ben, vas-y. Charles Leporte, mais il y a une table de merch en arrière. Des beaux chandails Lance Banger Productions. L'original est mauve, mais comme Lance, il vient dans toutes les couleurs. Il vient dans toutes les couleurs! Quoi? Je pense que c'est mon gag préféré de la soirée.
qu'on te parle en lens? Ben bravo pour... Là, ta pilosité, parce qu'il est fonctionnel en vraie vie. Ouais. Comme... Comment ça se passe à la job de jour? Ben, en fait, c'est tout du camouflage. C'est super compliqué. Puis en plus, il y a deux jours, je rencontrais la boss de la boss de mon boss. Puis j'avais quand même cette moustache-là. Puis ça n'a pas soulevé de questions. Fait qu'elle est quand même bien camouflée, je pense. Là. La boss de ton boss de ton boss, ah, c'est-tu ouais, genre la femme de Trudeau? C'est... Non, non, mais ça... C'est haut, là. C'est haut. Mais bravo pour elle dans l'écriture de... Tu joues toujours sur une ligne très mince. Je fais du slackline. Ouais. Non, mais tes prémices sont toujours nous mettre pas toujours bien, puis finalement, ton punch, on comprend où est-ce que tu t'en vas, puis on comprend l'intelligence derrière ton deuxième degré et tout, là, il est très clair. Le gag de poil, justement, belle critique. Bravo. Ben merci. Félicitations. Je vais me servir de la tribune pour ça. Si au moins 2-3 personnes peuvent se renseigner sur la porn éthique puis moi, je pense, changer leurs habitudes dire... de consommation, allez-y. En tant qu'allié féministe, je me reconnais chez un allié féministe, mesdames. Non, non. Le gars qui s'approprie la cause. Mais bravo, pour être bon. T'écris bien. Ben oui, moi aussi, il y a vraiment dans tes gags des bijoux, des gags puissants, des gags vraiment que, tu sais, avec un autre arrière-pensée derrière. J'ai aimé ça. Il y a deux gags que j'ai trouvé heavy metal, là, que j'ai fait comme « Oh, mais deux gags sur 3 minutes, chapeau. » C'était gentil. Mais je pense que surtout si tu fais un personnage, de venir faire des jokes sur, mettons, moi, Anthony ou de quoi, tu comme reste dans le perso puis genre fais comme si on n'était pas là, mais genre c'est la deuxième fois que tu fais ce personnage là puis qui est le fun, t'as une nouvelle joke là-dessus, c'est puis tu sais, c'est comme c'est pas juste du premier degré pis des jokes de cul, il y a quelque chose de le fun là-dedans, d'intelligent, puis hey, le colocast, man, l'image est c'est de la poésie pure et dure là. La première fois je l'ai faite, Bric et Brac qui était dans la salle, fait que c'était parfait. Puis moi, ben, je rêve de voir ta version de l'Aurore l'enfant fécité. Non, mais pour vrai, tu sais, j'ai pas beaucoup de commentaires, mais tu sais, c'est la deuxième fois que je te vois. Puis, tu sais, vraiment, c'était succulent, là. Il y avait deux jokes heavy metal, mais tout le reste, c'est vraiment brillant. Qu'est-ce que t'as contre le heavy metal? C'est rien qu'une expression, j'ai rien. Et puis, non, pour vrai, j'ai rien à dire. Tu sais, pour vrai, tout ce qui te reste à faire, c'est avoir ta propre marque de rhum, puis, tu sais, t'es... En business. Je pense qu'on va pogner juste ton numéro et on va le mettre sur Pornhub. On peut faire ça, on peut uploader les vidéos. Je pense ouais, parce qu'il check zéro Pornhub. Il y a des affaires avec des mineurs, des affaires comme Pornhub sont dans la marde. T'as le one man de Mike qui est là. Hein? T'as le one man show de Mike au complet qui est là. Fait quoi? Ouais, même. Fait que des fois, ceux qui veulent pas et juste on checker... part vraiment Lance Beggar Production. Fuck ouais. Let's go. Ben, mettons, moi, je te laisserais le faire, là. Ben, j'ai pas les droits du vidéo. Non, ben, c'est pas... ben, on te donne, c'est pas mal ton projet, là, je te dirais. C'est... Mais oh, bel job, j'ai déjà hâte d'avoir ta ça peut être proposition. Un bon hobby, hein. Ouais, bravo, félicitations, puis tu te mérites une pin. On n'a pas là, mais on en a dans notre petite valise là-bas, fait qu'on te donne ça tantôt, sans faute. Bravo, man! Merci. Yeah! C'est déjà la fin du Gang Show. Hey, combien de personnes nous ont regardé sur Patreon au total, le maximum qu'on a eu? On a eu un maximum de 155, un des meilleurs numéros qu'on a eu à date. Bravo tout le monde! Merci le monde de nous écouter à la maison. On se revoit pour la semaine prochaine. Après ça, il y a une petite pause pour le temps des fêtes. Oui. Sont où les caméras? Rich, as-tu des affaires à plugger? Sont où les caméras? Elle juste sur les nous caméras elle 1, elle caméra 2, là. Caméra 3, caméra 4. Celle sur nous, c'est elle. C'est celle-là. OK. Bon, la caméra, ben salut. À ceux qui s'intéressent, je cherche des bénévoles pour une représentation amateur de Starmania. Donc, ceux qui ça leur tente. On va derrière une église, on fait un gros feu, on répète les paroles. Donc, c'est ça. Et puis, c'est nice, vous me laissez. Fait que moi, je peux arrêter, je peux continuer. Oui, oui. Parce que hier, je sais que j'étais chez nous, puis là, tu voyais un matou. C'était Richard Sedzifir! Rich, je t'adore, je t'aime, Rich. Merci d'exister. Il y a ton one-man show qui roule encore? Ouais, c'est ça, richardsunzefir.com pour aller voir mon one-man show à travers la province. Un maximum de blagues, là. Comme être dans la matrice, sinon... mais de l'humour. Ta soirée, les lundis à Laval, une des meilleures soirées du monde. Ouais, les lundis de rire aux insulaires microbrasseurs à Laval, 4 invités à chaque semaine. La bouffe débile mentale, puis ils font la bière sur place.
Donc, tous les lundis, achetez vos billets au moins un mois d'avance. Ça se passe là-bas, malade. J'ai pas l'air enthousiaste, mais c'est que ça va tellement bien. Pas besoin de faire de plus. Choc, on te laisse closer ça? Oui, tout à fait. Premièrement, j'aimerais qu'on remercie tout le monde qui a contribué au Gang Show. Donc, à commencer par les humoristes qui étaient là ce soir. Ben, c'est l'épisode avec Rich Zephyr. Fait que, ben merci de nous suivre. Hey, la gang, merci. Hey, merci. 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 Merci à Chuck! Merci à Chuck! Attends, ouais, j'ai changé de place, ça a raté. Ah! Fuck! J'ai raté le plan, le timing n'a pas marché. Le timing n'a pas marché. Là, ça coupe. Mais comme on dit, merci. Merci! Merci.